candidatures, il y en a eu plus que l'année dernière, effectivement. Alors, pourquoi? Peut-être que la RSE devient un sujet très important parce que ça vient reposer la question d'entreprendre, de faire ensemble. Et je trouve que ça, c'est assez intéressant. Et c'est peut-être ça l'évolution qui est en train de s'opérer. C'est-à-dire que presque sublimer le fait de faire performance. Le prix qui a recueilli le plus de dossiers de candidatures a été le prix collaboratif cette année. Ce qu'on voulait à travers audace, équilibre et collaboratif, c'est avoir, j'allais dire, des marqueurs percutants. Et audace, c'est quand même oser, oser faire. Équilibre, ben, c'est pas juste l'économique. Le collaboratif, ça vient rappeler la nécessité de faire ensemble. Mais tout ça vient se croiser d'une certaine manière également. Workwear to Workwear, c'est un projet que le groupe Elis a initié il y a plus de 4 ans maintenant. Et l'objectif, c'est de refaire de nouveaux vêtements professionnels à partir de nos textiles usagés en fin de vie. C'est un projet qui nous tient extrêmement à cœur. Donc on est très contents et très fiers que notre projet ait été retenu et retenu l'attention du jury. On espère, grâce à ce prix, que notre projet de recyclage Workwear to Workwear va gagner en visibilité et en notoriété et que le plus de personnes possibles vont être intéressées par ce projet et par les produits qu'on propose. Et le lauréat est la mairie du Lamentin. La ville du Lamentin vient de recevoir le prix RSE DD, donc l'école des mines et du groupe Segos. Ça va donner un regain de motivation. C'est quand même gratifiant de voir qu'effectivement qu'une initiative reçoit un prix, je dirais, à l'échelon national. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, comme ce projet a une phase 2, je pense que ça va amplifier le mouvement et qu'on aura beaucoup plus d'entreprises et beaucoup plus d'institutions qui vont nous rejoindre pour pouvoir justement continuer l'aventure. Le lauréat est la société Recyclea. Voilà. L'activité de Recyclea est le réemploi de matériel informatique. Donc on accompagne nos clients à gérer la fin de parc de leur matériel informatique. C'est vraiment une communication interne, une fierté interne de toutes les équipes. Et c'est aussi un moyen de se faire connaître auprès d'autres partenaires et d'autres clients. Depuis la remise de ce prix, ça nous a permis de mettre en avant notre démarche. On a été accompagné par des experts, on a travaillé avec nos membres, avec nos clients pour mettre en place nos stratégies de décarbonation qu'on a présentées sur le prix collaboratif de l'an dernier. Et avoir le prix, ça a permis de mettre en avant en fait cette démarche où on avait en fait quelques personnes convaincues dans nos tissus industriels auparavant et d'aller chercher des personnes qui étaient un petit peu moins convaincues et de travailler de plus en plus avec de plus en plus de clients. On est en train de monter un partenariat avec un ancien masterant du master des mines pour mettre en place en fait une offre d'accompagnement de décarbonation chez les industriels.